L'ONZ Régnal a été connue sur la protection de l'environnement et la préservation des maquis à Madagascar. Alors que cette ONG ne s'arrête pas là, il continue à évoluer, la côté éducation universitaire et les recherches scientifiques aussi. La preuve, ce sont les microscopes au nombre de 36 et les matériels utiles pour le laboratoire de l'Université de Tuléar dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement scientifique pratique de l'Université de Tuléar. Pour l'ONG Régnal, c'est important pour notre jeune d'avoir des connaissances et appui pour la préservation de l'environnement chez nous. La connaissance scientifique mature. Le développement des connaissances scientifiques est le moteur de la conservation et la préservation de l'environnement. L'ONG Régnal a eu plusieurs partenaires pour l'obtention des matériels venant de l'extérieur. Nous remercions spécialement les partenaires qui nous ont permis d'exécuter ce jour. Madame Piccoli, chef d'établissement du lycée Saint-Marc au niveau La Vermelle, France. L'entreprise Gelin, l'entreprise Rolling, Transport International, l'entreprise Sordalab, l'Europantiana Recipiana Carrieta au lycée Saint-Marc. Je m'adresse également aux étudiants qui sont là. Vous avez acquis de matériel grâce à l'ONG Régnal. Et grâce aussi aux activités de nos anciens chercheurs, du directeur, du doyen, je pense. Et je vous en prie de bien vouloir bien acquérir ces matériels, de bien travailler avec ces matériels. Vous êtes responsable et je pense que vous tenez à ce matériel que vous allez utiliser dans vos recherches et dans la formation. Je réitère encore mes remerciements, madame. Merci beaucoup. Et nous espérons que notre collaboration ne serait pas là, mais dans l'avenir, nous espérons toujours de travailler avec vous et en bon terme pour acquérir encore, selon les dires du directeur tout à l'heure, d'avoir encore des matériels pour le bien de l'université. Voici qu'a dit le doyen de la faculté des sciences de l'université de Tuléar. De la faculté des sciences, nous tenons à vous remercier toute l'équipe de l'ONG Régnal ainsi que les élèves du lycée Saint-Marc pour ces dons. Cette présente cérémonie témoigne encore une fois l'intérêt que vous portez à l'égard de notre établissement et surtout le fruit de notre collaboration. Chers collaborateurs, nous tenons à vous assurer que ces matériels seront utilisés en abondance dans le but d'améliorer la qualité d'enseignement et de recherche à l'Université de Tuléar, en particulier la Faculté des sciences. Pour terminer, chers collaborateurs, nous réitérons nos remerciements à votre endroit pour toutes les aides accordées à notre faculté et surtout à l'Université de Tuléar. Nous comptons sur la communauté de notre collaboration à l'avenir, car nous avons un nombre important de défis à relever pour la réussite des résultats des recherches de nos étudiants. Nous avons obtenu des microscopes qui sont très importants pour observer les ultrastructures microscopiques dans le laboratoire. Tous ceux-ci sont importants pour nous parce que nous pouvons déjà avancer nos recherches pour pouvoir bien maîtriser la santé humaine, la santé animale dans notre région, ainsi que pour pouvoir détecter les principes actifs dans les plantes médicinales et pour pouvoir conserver aussi la biodiversité. Et je remercie vivement à l'ONG Régnal Manguili, à cette lycée de Saint-Marc à l'étranger, de nous avoir conférer tous ces matériels utilisés en laboratoire. Pourquoi l'ONG Régnal a aidé la faculté des sciences de l'Université de Tuléar? Parce que l'ONG Régnal œuvre sur l'environnement et la biologie. C'est un domaine qui est proche de nous et qui nous incite à les aider à la faculté des sciences. Les étudiants auront moins de difficultés à la faculté des sciences
à l'Université de Tulliard parce qu'ils ont eu ces microscopes sur la mise en œuvre des recherches pour que cela devienne une clé pour le développement. À noter que ce matériel que l'ONG Rénial a donné à la Faculté des sciences de l'Université de Tulliard sont gratuits et sans engagement.